retrouve pour le colis d'été du mois d'octobre pour Custo Déco. Donc là, on va commencer Noël, hein, c'est parti, au mois d'octobre. Je pense qu'on est bien au niveau de timing. Du coup, déjà, le cadeau. Alors, je trouve que le cadeau, il est très très bien, très utile. C'est un ciseau de précision. Et franchement, je dis oui. Hop! C'est un beau cadeau. Alors, moi, je suis énormément fan de celui de chez One Memory Keepers, celui qu'on avait dans un kit où il y avait une pince de précision, enfin plein d'autres trucs. Mais avoir celui-ci, c'est de la marque Delta, je ne connais pas, mais franchement, je trouve que en cadeau, c'est vachement sympa. Et c'est un cadeau qui est très, très, très utile. Donc, hop là, cadeau. Au top. Ensuite, j'ai fait deux achats perso. Donc, j'ai pris les pochettes pour aller dans le classeur A4, donc de Weird Memory Keepers. Donc, vous les avez pleines ou après style Project Life. Donc, j'ai pris ça. Je sais pas où les poser. Hop. Et j'ai pris le mois dernier, j'avais oublié en fait de le prendre. C'est une fois ma commande faite, je suis mince, je l'ai pas mis dans mon panier. Du coup, je l'ai pris là. J'ai pris un sac. Alors, vous le verrez pas très très bien. La couleur, j'aime beaucoup ce vert-là. C'est de chez Artemio. Les anses, je les trouve très qualitatifs et il est immense. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce qu'en fait, j'essaie à fond de réduire les sacs en plastique, en papier, tout ça. Je veux du réutilisable. Et donc, il fait 30 par 60 par 35. C'est en jute en fait. Donc, c'est très épais. Il est fermé comme ça avec un aimant. Donc moi, c'est pour y ranger mes courses. Il est doublé. Et franchement, enfin, je vais avoir de quoi mettre là-dedans, quoi. Très clairement, j'arrive pas à vous le montrer correctement, je pense. Et en dessous, vous avez, je pense, une sorte de carton. Enfin, je sais pas trop, mais il est plus rigide, en fait, sur le fond. Donc voilà, mon sac à courses. Et donc maintenant, le colis d'été. Donc, nouvelle collection, Splendid Christmas. C'est la collection sur laquelle j'ai craqué avant toute chose, hein, tout simplement. Et du coup, j'ai pas mal d'articles. Ah non, attendez, il y a un autre truc avant Noël. J'ai pris cette matrice de coupe. Donc, c'est les grandes matrices, vous savez, épaisses, les noires. Je l'ai prise parce que, regardez-moi ça. Pour passer à Noël sans trop y passer, je me suis dit pourquoi pas faire un petit bouquet de fleurs, ça pourrait être sympa. J'ai trouvé les fleurs vraiment très jolies. Mais vraiment, vraiment. Donc là, on n'est pas sur une base carrée comme j'ai pu l'avoir pour d'autres fleurs, on est sur une base rectangulaire, elle est très très grande. Je ne sais pas si elle a la taille. Oui, elle fait 15,24 cm par 22,23 cm sur une épaisseur de 1,59 cm. Donc on est sur un gros format. De ce que je comprends, ça a été dessiné par Kathleen Lizardi, que je ne connais absolument pas du tout. Mais en tout cas, elle a l'air de faire des choses très sympas. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Donc forcément, il va vous falloir une machine soit A5, soit A4 de découpe. Voilà, dès qu'elle l'a mis en boutique, je l'ai mis direct dans mon panier. Et là, on va pouvoir commencer Noël. On va commencer par les tampons. Donc j'ai pris deux planches de tampons de la collection. Si je dis pas de bêtises, ce sont les deux seules. Donc j'ai pris les boules de Noël. C'est ça que je voulais faire, c'était ouvrir. Bon. Avec un petit ciseau. Moi je suis plus grand ciseau pour couper des trucs comme ça, mais c'est plus pratique. Toc, toc, toc. Ouais, c'est vraiment plus pratique les grands ciseaux. Ça, c'est vraiment pour de la précision. Et là, je n'en veux pas. Ah, donc j'ai pris celui-là et celui-là. Oh, je tremble. Hop. Alors, on va jeter ça. Donc, celui-ci. Non, j'avais commencé à vous parler de l'autre. C'est pas grave. Comment je peux bien vous les montrer? Attendez. Hop. Ah bah derrière ça, c'est blanc ça. Ben oui. Voilà.
Donc, on retrouve une toute petite boule de Noël comparée aux autres, une deuxième. Celle-ci, vous allez la remplir avec ça. Vous avez, pardon, trois couronnes. Ce feuillage-là, je le trouve magnifique. Et donc, on l'a ici et ici. Vous avez des petites branches de sapin, du feuillage. Enfin, là aussi, avec un petit peu moins d'épis. Vous avez rien que pour toi, bonne fête, joyeux Noël. Alors ça, je trouve ça super bien, rien que pour toi. Et après, il y a un truc que je ne sais pas ce que c'est ça. Alors est-ce que c'est des baies? Je ne sais pas. Et on les a aussi en die cut. Et on les a aussi sur un fond de papier. Mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà, si vous pouvez éclairer ma lanterne, ce serait cool. Et ensuite, donc j'ai pris les boules de Noël. Hop, donc on a celui-ci. En fait, vous avez un fond plein. Ou après, en fait, moi, je l'avais imaginé. Après, les tampons pleins, c'est toujours compliqué, je trouve, à tamponner. Donc, je vous conseille une presse à tampons. Et voilà, tamponner d'une couleur, donc dans les bleus foncés. Parce que la collection, vous allez voir, les couleurs sont juste waouh. Wow. Et ensuite, venir embosser en blanc ceux-là, par exemple. Et après. Voilà, eux c'est comme ça qu'ils ont. Enfin, après, c'est peut-être pas embossé, mais ça on le sait pas. Après, vous pouvez la laisser classique. Et celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Avec juste les branches de sapin et meilleurs vœux. Et vous avez la tige ici pour faire vraiment la boule de Noël. J'ai trouvé ça original en fait. Ça permet d'en faire de différentes sortes. Et je suis en train de penser un truc. Le kit que je vous parlais, c'est celui-là. Et donc dedans, vous avez un ciseau et je m'en passerai jamais du ciseau. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Petit aparté. On va continuer avec la collection. Qu'est-ce que je vous montre? Des stickers. Je vais vous montrer les stickers. Il y en a plusieurs. J'ai pas tout pris. Je sais plus. Je crois pas. Donc vous avez bien entendu les chipboards, donc les stickers cartonnés, qui pareil, ils sont très jolis. Donc vous allez voir, c'est une collection avec beaucoup de doré. Vraiment, vraiment, c'est Noël. Donc on a cette page-ci. Vous voyez, ils sont encore là. Je ne sais pas ce que c'est. La boule, là, elle est bien. Attendez, je cherche un truc. Ah, vous voyez? Ça peut vous donner une idée de rendu de ce tampon-là avec le fond là. C'est ça. Ensuite, deuxième page. On a celui-là. Donc là, vous avez rien que pour toi, amour, joie et tout le tralala. Il me semble qu'il y avait ces phrases-là l'année dernière ou il y a 2 ans. Là, vous avez Noël. Oh, c'est bien, ça, une petite étiquette comme ça. Et ensuite, on a celui-ci avec un peu plus de mots. Bonne fête, plaisir d'offrir, meilleurs vœux, bonne année, joyeux Noël. Merci, bonheur, famille, Noël ensemble. À ouvrir très vite. Voilà. Ensuite, on a. Alors, c'est des stickers. Ils sont puffy, mais alors, soit parce que. Non, ça, c'est pas des puffy normales. Je suis désolée, mais non. Faudrait que je les teste sur du papier. Celui-là, sur des grandes distances comme ça, c'est pas pratique. Mais ça, c'est moi. Hein. J'ai l'habitude des grands ciseaux. Hop. Alors, là, je voulais voir. Ouais, non, c'est ça. C'est pas des puffy comme d'habitude. Là, les puffy, ils sont puffy, mais ils ont un côté brillant, en fait. Tandis que les autres étaient plus côté mat. Je sais pas si c'est indiqué sur mon bon. Pop, pop, pop. Puffy 3D foil. Ouais, mais il y a une texture qui est différente. Ceux d'avant, c'était plus un toucher, on va dire, doux. Et là, c'est plus un toucher. Bah, c'est du plastique, hein, en fait. Du coup, on a moins le côté puffy par rapport à avant. Et du coup, celui-là, ça va être pareil. Ah oui, je ne vous l'ai pas montré de près, je crois. Donc, on est sur du foil. Pas du tout sur du. Enfin, si. Bref, on est sur du doré.
Du coup, très compliqué à vous montrer. Et ensuite, vous avez celui-ci que je trouve très joli. C'est peut-être mieux si je vous les laisse dessus. Voilà. Donc là, pareil, on retrouve du doré dans le Bonne Année. D'ailleurs, je voulais voir un truc. Ouais, non, c'est pas du tout les mêmes puffy qu'avant. On retrouve ces fameuses... je vais dire que c'est des baies, parce qu'honnêtement... Ou alors, ah ben oui, ça va pas avec le ou. Je sais pas. Je sais pas. Bonne fête, meilleurs vœux, joyeux Noël, Noël, enfin voilà. Donc, comme vous aurez pu le voir, on est dans les couleurs bleues. Hein. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert dans cette collection. On est sur du bleu. Ensuite, chose que je prends très rarement, j'ai pris les rubans. Donc, vous en avez 6 et j'ai trouvé les rubans pas excessifs. Il me semble que ça doit être dans les 5 euros, je crois. Mais vous avez 6 rubans et vous avez 1 mètre. Donc, j'ai trouvé ça raisonnable. Donc, regardez... Attends. Voilà. Les couleurs, donc c'est du bleu foncé, hein, c'est pas du noir. Vous avez ici donc le Joyeux Noël. Vous avez les petites branches de sapin, Bonne Fête. Là, ce motif-ci et ensuite un petit blanc. Donc, on est sur du bleu foncé, du blanc et du bleu ciel. Ensuite, j'ai pris du washi. Alors là, j'avais pas fait attention, mais en fait, vous avez un très, 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 très gros washi. Alors, on dirait que c'est noir, même là, comme ça. Mais normalement, non. Je pense que c'est parce que c'est couche par couche. Mais c'est bleu foncé. Très foncé, hein. Ouais, très, très foncé. Donc, vous avez du foil également dessus, que ce soit sur le bleu comme le blanc. Voilà. Désolée. Ensuite, on a une nouveauté, des embellissements en acrylique. Alors, je suis désolée, je ne vais pas les ouvrir. De toute façon, il y a l'image derrière, donc ça, c'est cool. Parce qu'en fait, Artemio, bah, si on l'ouvre, bah, on ne peut pas le refermer. Vous en avez 19 et vous avez ces motifs-là à l'intérieur. Donc, vous avez Joyeux Noël, les boules, les baies, des étiquettes... boule de Noël, voilà, petit feuillage, couronne, amour, joie et tout le tralala. Donc j'ai trouvé ça vachement sympa. Ils y sont également pour l'autre collection de Noël, parce qu'il y a deux collections de Noël qui sont sorties. Et l'autre, c'est... je l'aime bien aussi l'autre, parce que vous avez des pulls moches, en fait. Je pense que c'est plus... et puis, oui, vous avez des animaux aussi dessus. Voilà. Ensuite, j'ai pris, on va continuer dans les embellissements, les die cuts, donc vous voyez du foil. Alors, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il y a du foil comme ça dans une collection entièrement dorée. Là, on ne peut pas faire plus. Et donc, vous avez tout ça. Donc, on retrouve les boules de Noël, on retrouve des fanions, des tags, les feuillages que j'aime beaucoup. Donc, du coup, ceux que j'aime beaucoup, ils sont dorés, j'ai l'impression. Ah ouais, et puis il faut les vider du coup. Ok. Des cadres, des polaroïdes, les fameuses baies. Voilà. Donc voilà, voilà. Et ensuite, une nouveauté également que vous retrouvez aussi dans l'autre collection, c'est un set de papeterie. Alors je l'ai déjà ouvert parce que hier ça m'intriguait. Parce que j'ai reçu mon colis hier, donc soit. Hier, on était quel jour ? Lundi. Donc vous avez une petite corde qui va avec une enveloppe. Vous avez des petits embellissements comme ça en chipboard, hein, parce qu'ils sont très épais. Comme ça. Donc vraiment du beau bleu. Je vais me servir du papier admiral à gogo, moi je vous le dis. Après, vous avez des petites étiquettes. Ça, c'est une enveloppe, enfin une pochette. Là, vous pouvez en fait l'enlever. Et du coup, mettre autre chose. Vous avez un petit carnet de papier. Vous avez une enveloppe. Donc, vous voyez, on a encore du foil dessus. Ça, j'ai beaucoup aimé ce tag-là avec les cœurs. Je trouvais ça sympa. Un autre tag, Bonne Fête. Là, pareil, on retrouve une pochette. Le devant peut s'en aller. Là, je pense que c'est pour y mettre un petit mot parce que vous avez les petites encoches. Oh, il y a Epi qui va vouloir jouer. Vous avez les petites encoches. Là, vous avez une pochette également. Ne pas ouvrir avant Noël. Hop. Donc là, vous avez du feuille au niveau du titre.
enfin du texte et plein de petits pois. On retrouve une autre pochette. Je vous préviens, mon haul va être long. Là, une autre pochette. Là, vous avez des petits tickets à détacher, donc à fond dans le doré. Hein. Joyeux Noël, bonne fête, meilleurs vœux. Un petit papier pour écrire votre lettre au Père Noël. Et vous avez du coup cette pochette-là, donc je pense qu'elle sert à fermer ça. Le papier est juste magnifique. Et là, vous avez de nouveau une pochette. Voilà. Donc franchement, j'ai trouvé ce kit intéressant. Ça change. Pour les paquets cadeaux, bah, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir créé du coup ce genre de kit. Enfin, moi, je trouve l'idée sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, vous l'avez aussi pour l'autre collection que je ne sais plus le nom. J'ai un doute si c'est pas... Frosty, j'allais dire Frosties, mais non, pas du tout. Foxy, parce qu'il y a un renard là-dedans, donc peut-être Fox Christmas, quelque chose comme ça, quoi. Je sais pas. Et comme d'habitude, je ne regarde pas avant de vous faire la vidéo. Bah non, bien sûr. À quoi ça servirait? À vous donner des bons trucs. Ensuite, j'arrive presque sur la fin. Donc j'ai pris 3 sets d'ice, donc j'ai pris la fameuse boule. Donc vous voyez, elle est embossée. Alors je croise les doigts pour qu'elle s'embosse au moment de la découpe. Parce que moi j'ai la flemme, je sais, hein, c'est une flemmingite. En fait, de revenir pour embosser. Voilà, de remettre le papier dedans. Non, c'est pas moi ça. Donc je croise les doigts pour qu'elle m'embosse le motif. Voilà, voilà. J'ai pris... Ah mais c'est ça en fait, regardez, bah voilà. Ça va sur le sapin, mais pourquoi il n'y a jamais ça dans le sapin? Je pense que ça c'est quelque chose que je ne vais pas me servir, les petites baies là. Du coup, des branches de sapin. Voilà. Et ici, donc, on a donc les feuillages. Feuillages, fleurs, et en un mot merci. Alors vous voyez, si un jour Artemio pouvait faire ça, parce qu'en fait, on a des feuillages, par exemple celui-ci, on le retrouve en tamponnage ici. S'il pouvait se dire, on les découpe de la même taille, ça pourrait être sympa. Ça pourrait, ouais. Je pense que certaines personnes apprécieront. Je vais vous montrer maintenant le bloc de papier. Donc, exceptionnellement, sur ce bloc, vous avez seulement, enfin seulement, c'est déjà pas mal, 30 papiers. Alors 30 papiers c'est beaucoup, mais j'avoue que j'ai été habituée à mes 60 papiers pour avoir des papiers en double, surtout quand j'ai des coups de cœur sur des papiers. Là, est-ce que je vais me dire oula, j'en ai pas un deuxième, est-ce que je me restreins? Normalement j'ai arrêté ça. Quand j'aime un papier, je l'utilise, parce que sinon au final je ne m'en sers pas. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et moi j'ai arrêté cette maladie là il y a pas mal de temps, parce qu'au final après bah, je me dis bah mince, je l'ai pas scrappé. Ce que je trouve dommage, parce que du coup je n'ai pas ma feuille préférée dans mon projet. Voilà. Oh et puis s'il te plaît, oh, attendez, j'ai une pause. Bon, je pense reprendre, elle est en train d'aller sur un autre. Du coup, donc je vous disais, si vous avez un papier qui vous plaît, mais scrappez-la, parce qu'après bah vous ne la scrappez pas. Donc, c'est dommage. Donc, du coup, là, sur toutes les feuilles, vous avez également du foil. Ils se sont lâchés cette année. Du foil, du foil, du foil. Quand vous allez sur le site Custo Déco, vous allez voir que c'est écrit 2x30, mais c'est une erreur d'impression, enfin, d'image. Et ça, ils n'arrivent pas à la modifier. Donc, vous avez bien 30 feuilles. Parce que moi, au départ, je dis, bah, il y a un problème dans la description. C'est écrit que 30 feuilles et tout. Elle me dit, non, non. Donc, voilà, pour info, si vous recevez un bloc de 30 feuilles, c'est complètement normal. Sur l'autre, c'est toujours 2x60, pas du tout, 2x30, si je dis pas de bêtises. Mais normalement, j'allais te voir. Donc, on va le mettre comme ça. Vous avez beaucoup de gros motifs. Moi, je suis mitigée sur les gros motifs, mais je m'en sers quand même pour venir y faire mes découpes. Je m'en suis servie une année, par exemple, dans des cadres 30-30. Là, je m'en étais servie et ça rendait vachement bien. Mais là, c'est pas ce qui est prévu pour cette année, ma déco de Noël. Donc, je vais m'en servir pour les fonds, vous allez voir. Donc, déjà, on commence comme ça. Alors, maintenant, c'est couleur craft. Avant, c'était blanc. Ça m'a choqué au début. Je suis, oula. Donc, du coup,
Du foil au niveau donc des boules de Noël. Donc, vous voyez, c'est un très très beau papier. Le design est très très bien. Mais alors après, on peut les découper, hein, les feuilles. Hein. Ça, c'est pas le problème. Les feuilles, les boules. Et après, ici, bah, voilà, vous pouvez vous en servir pour avec vos dies ou faire des tamponnages de feuillage, par exemple. Enfin, voilà. On est sur du combien de grammage? 170, ça n'a pas changé. Alors, soit j'ai deux feuilles, soit... Bah, je sais pas. Ensuite, on a celui-ci. Donc, pareil, hein, très, très beau motif. Et là, on a... Ça, honnêtement, je pense pas m'en servir. Parce qu'au niveau des motifs, en plus, ils sont tous coupés, donc je pourrais pas les récupérer. Ensuite, on a celui-ci. Donc, je vais vous montrer quand même qu'il y a du foil, là, vous voyez. Partout, partout. Celui-ci. Donc là, moi, je vais récupérer cette couleur de papier et ici également celui-ci. Voilà, là, c'est des pages qui, moi, m'intéressent beaucoup plus. Là, le foil, vous l'avez seulement au niveau des attaches des boules. Je parle beaucoup de boules, hein, dis donc. Là, de nouveau, des boules de Noël. Le foil va être concentré sur cette boule-ci et au niveau des attaches, un fond qui est plutôt sympa. Les fameuses baies, hein. Voilà. Celui-ci, donc qu'on a en tout début, mais là on va avoir un fond plus foncé, beaucoup plus. Alors celui-ci, un gros coup de cœur pour ce papier. Vous avez du foil, mais je dirais à petite dose en fait, suffisamment et pas trop. Vraiment très très jolie page. Là, très jolie. Celui-ci. Là, vous avez simplement des pois. Celui-ci, mais alors là, vous le voyez mal. Mais en fait, il est entièrement avec du foil, le feuillage. Je suis fan. J'hésite même à le découper. Pour récupérer les feuillages. Ouais, j'hésite beaucoup. Vous avez en plus ces petites touches blanches qui font un peu comme de la neige. J'aime beaucoup. Là, vous avez une couronne de branches de sapin. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Pareil, vous avez du foil à petite dose. Oh, mais il n'y a pas de feuille sur celle-là. Oh, bah, dis donc, c'est une exception. Cette couronne-là, mais on en parle, elle est magnifique aussi. Magnifique. Donc vous verrez hein, dans le bloc, vous avez vraiment beaucoup de feuilles avec des gros motifs. Si je dis pas de bêtises, c'est au nombre de 12. Celle-là aussi, très jolie. C'est dur hein, de vous montrer quand il y a du foil. Les baies. Ça, c'est très joli, mais honnêtement, je ne me vois pas l'utiliser. Dans un cadre, par contre. Ça le fait. Voilà. Celle-là aussi, une que j'aime beaucoup. En plus, on est sur un fond foncé. Vous avez du foil au niveau de certains feuillages, mais pas tous. En fait, le blanc ressort, fait bien ressortir et enfin, il ressort bien. Donc voilà. Là. Alors lui, il me fait penser à la collection. Sur la mer, si je sais plus quoi, mais ça me fait rappeler ça, un rhodoïde. Donc là, ici, pareil, ça j'aime beaucoup, très chargé, mais voilà. Et on arrive pas encore à la fin. Et alors, ça, c'est un papier que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve dommage qu'il n'y ait pas 60 feuilles comme d'habitude. Mais seulement, enfin seulement, 30, c'est déjà beaucoup aussi. Hein. En grand motif, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, vous avez 12 papiers sur 30 en grand motif. Pour celles qui s'en servent pas, ce que je vous dis, hein, enfin moi je vais couper, hein, je ne vais pas m'embêter. Hein, là, je vais prendre le fond, par exemple,
Parce qu'en plus, quand on prend le fond des blocs, bah, ça permet d'avoir la même couleur que les embellissements, que tout ça. Donc voilà. Pour Noël, c'est terminé. J'ai un autre truc à vous montrer, une dinguerie. Une dinguerie. Il faut que je vous prenne à la main parce que c'est trop grand pour aller sur mon bureau. Et puis elle a décidé de reprendre son jouet qui fait pouet-pouet. Je vais vous montrer ça. J'en suis encore. J'en perds mes mots parce que je suis encore. Waouh! Waouh, c'est pas possible quoi. Je suis vraiment dans cette chose-là. Donc je prends mon téléphone et je vous montre ça. Voilà la bête. Donc c'est une ScanCut, donc c'est la SDX 900. Custo Déco donc me l'a envoyée. J'ai pas de mots hein, tout simplement. Je l'ai déjà testée en plus hier soir. J'avais la flemme de faire le haul, mais j'avais envie de tester la machine. Et franchement, j'ai ces machines-là, moi ça me fait peur parce que je me dis mais je vais rien comprendre, tout ça, tout ça. Et au final, j'ai voulu lire l'instruction parce qu'en fait, vous avez un petit fascicule pour vous expliquer, en fait, pour faire cette boîte. Sauf que je ne l'ai pas trouvée. Là, je me dis, tant pis, j'y vais à l'arrache. Et j'ai fait mon truc et tout a fonctionné. Donc, c'était très simple. Pourtant, c'était en anglais. Je l'ai configuré après en français. Et j'ai pu faire des découpes de tamponnage. Chose qui, voilà, je les ai faites en 2 minutes. En fait, la ScanCut, c'est une machine qui a un scanner intégré. Et donc, du coup, elle va scanner bah, les motifs. Elle va en déduire elle-même où est-ce qu'il faut qu'elle coupe. Et du coup, en 2 minutes, j'avais toutes mes découpes. Donc, la ScanCut, et d'ailleurs, je viens de voir ici, c'est écrit important. Je ne l'ai pas ouvert, donc tant pis. Voilà. Dedans, vous avez deux tapis. Alors, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Mais en fait, c'est les tapis qui vont être adhésifs. Donc, vous en avez deux dedans. Le guide, je vous en ai parlé. Donc, on va mettre ça à côté. Et après, vous avez un petit set avec un petit stylet, parce que l'écran est tactile. Et vous avez la petite spatule ici. Tac. Donc, ça se présente comme ça. Et vous avez l'écran qui est ici. Vous le réglez comme vous voulez. L'avantage de cette machine, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses sans ordinateur, mais également avec un ordinateur, avec un site, c'est... Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Mais voilà, vous avez la lame. Donc, pour info, c'est une lame auto-ajustable, c'est-à-dire que c'est elle qui va travailler toute seule pour savoir sur quelle épaisseur de matière, en fait, on a. Cette ScanCut peut couper jusqu'à 3 mm d'épaisseur, donc la feutrine, le simili-cuir, bah le papier, elle peut couper jusqu'à 400 grammes, je crois, quelque chose comme ça. Dites-vous que la cartonnette en 1,5 ou 2 mm, ça passe. Quoi dire d'autre sur cette beauté? Je ne sais pas. Je vous ferai de toute façon une vidéo démo. Alors par contre la démo ce sera bah, genre je vais vous la filmer comme ça, je m'approcherai de l'écran parce que je ne sais pas faire autrement tout simplement. Mais c'est vraiment d'une facilité parce qu'au final j'ai fait au pif, j'ai pas regardé le bouquin. Donc voilà, donc je tiens par cette vidéo à remercier toute l'équipe de Custo Déco pour cet objet de collection. Attendez, faut que je tousse. Donc je disais un énorme merci à toute l'équipe de Custo Déco pour leur confiance. Là, au mois de décembre, ça va faire 4 ans que je suis d'été. Donc merci infiniment pour tout, 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 quoi. Y a pas, j'ai pas de mots, mais même le merci, je suis sûre qu'il suffit même pas. Mais voilà, sur ce, je vous embrasse fort, Custo Déco, et vous si vous voulez. Et je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaine vidéo et du coup avec ce petit bijou de nouveaux projets. Bonne journée, bye bye!